Nous sommes la région la plus jeune de France, celle aussi où le chômage de cette catégorie est le plus important. C'est pour enrayer ce paradoxe que la toute première plateforme pour l'emploi des jeunes Lille Métropole Pays du Pévélois est inaugurée devant 500 décideurs régionaux. L'expérimentation a duré un an et a permis à des centaines de jeunes de trouver un premier emploi. Je suis embauché chez GFI pour le compte de la SNCF en alternance. Je trouve que c'est une bonne idée le pacte parce que ça permet aux jeunes, enfin comme moi, d'acquérir directement un travail, enfin de se rapprocher des entreprises surtout. Se rapprocher des chefs d'entreprise, c'est bien l'objectif affiché par la région. Cette plateforme est d'ailleurs présidée par un entrepreneur du Nord et s'installe à la Cité des Échanges, un lieu de passage important du patronat. On crée une méthode qui est de mettre les entreprises au rendez-vous des jeunes, c'est-à-dire d'être présent quand un jeune a envie de dialoguer, d'éclairer sa voix. Et c'est la raison pour laquelle nos chefs d'entreprise de Lille, qui sont 27, qui sont venus dans cette plateforme et qui seront rejoints par une centaine de chefs d'entreprise dans les jours qui viennent, et il y en aura 500 dans la région dans les mois qui viennent, disent très clairement leur confiance dans les jeunes. Un dispositif ambitieux, il se veut complémentaire à ce déjà existant. Il n'y aura pas l'effet de millefeuille, il ne faut pas instituer ce programme, il faut qu'il ait lieu 4 ans et puis point, mais il faut se donner des objectifs ambitieux. 14 plateformes de ce type devraient être mises en place dans la région d'ici le premier trimestre 2013.